Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 22 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end et moi, j'ai profité du week-end pour me guérir de cette voix que j'avais la semaine passée, qu'on entendait, qui n'était pas au top. Voilà, pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans l'oracle de Christ. Et on terminera par le cheminement de l'âme. Donc j'ai déjà pigé trois cartes et vous choisirez entre une d'entre elles. Et pour le tarot de Marseille, eh bien j'ai pigé l'amoureux à l'endroit. Donc son symbolisme, c'est la duchance, la conciliation, le choix, la décision, le devoir. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire que vous allez avoir un choix à faire dans votre vie professionnelle. Et ce choix va être important pour l'évolution de votre carrière. Vous devez vous faire confiance. C'est vraiment un tournant majeur dans votre vie. Je dis bien dans votre vie professionnelle. Et vous pourriez même le faire efficacement avec certains partenaires, le travail d'équipe étant privilégié. Donc c'est une période propice pour réaliser vos projets. Côté affectif, eh bien c'est la même chose. Vous devrez peut-être faire un choix dans votre vie sentimentale. Peut-être un choix d'un partenaire ou d'une situation liée au sentiment. Mais on vous demande de vous fier à votre instinct. Et cela vous aidera à prendre la bonne décision. Et cette décision aura aussi un très grand impact sur votre vie future. On vous demande d'assumer vos choix et tout cela devrait bien se passer. Passé. Voilà pour le tarot. Alors, j'ai pigé l'enfant dans les anges de l'amour. Une vie amoureuse est influencée par les enfants. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. Donc, demandez aux anges, hein, ils sont là pour vous aider. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger. Et peut-être espiègle, ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance qui est enfouie en vous. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Pour l'oracle de cristal, j'ai pigé la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Maintenant, est-ce que vous avez confiance en vous? Avez-vous confiance en vous?
Voilà toute la question. Eh bien, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez des croyances erronées à votre sujet. En fait, vous avez fait les vôtres, les croyances des autres personnes, notamment les personnes que vous avez fréquentées lorsque vous étiez enfant, peut-être, comme les parents, la famille, les enseignants. Et vous avez intégré, eh bien, tout ce que vous entendiez à votre sujet. Et à la limite, vous en avez fait vos vérités. Alors que ces croyances, eh bien, elles ne vous appartenaient pas. Elles ne vous concernent pas. Elles appartenaient juste aux personnes qui se faisaient une idée de qui vous étiez par rapport à leur système de pensée et de croyances, mais ce n'étaient pas les vôtres. Il est temps maintenant de vous libérer, car cette carte vient vous dire qu'il faut vous libérer, de rehausser l'estime que vous avez de vous-même et de retrouver toute votre confiance. On vous demande en premier lieu, peut-être, pardonner à toutes ces personnes ce qu'elles vous ont fait ou dit. Et pardonnez-vous aussi à vous-même afin de vous libérer au niveau énergétique de ces relations toxiques. Pardonner à soi-même est un grand pas, un grand cheminement, et pardonner aux autres est aussi un grand cheminement. Et puis, transformez vos croyances intimes à votre sujet en belles croyances qui vont vous apporter de la joie, une bonne estime et un sentiment de puissance. Parce qu'en fait, mais vous êtes une personne merveilleuse. Vous ne le savez pas parce que vous ne le voyez pas. Et en plus, vous possédez en vous toutes les ressources et capacités pour réussir tout ce que vous entreprenez. Vous êtes un être divin venu expérimenter la joie et l'amour. Gardez cela à l'esprit. Nous sommes ici pour expérimenter, que ça soit le mauvais ou le bon. Et quand nous expérimentons et nous sommes en contact avec des personnes pas très gentilles, eh bien, nous devons les remercier parce que nous avons appris quelque chose. Décidez de vous accorder toute votre confiance. Mes chers amis, vous le méritez, tout le monde le mérite. Ayez confiance en vous. Quelques affirmations positives pour cette journée avec cette carte de confiance. Alors dites ces phrases dans la journée. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Répétez cette phrase et les autres trois fois. Je nourris mon enfant intérieur. Je suis libre d'être moi-même. Je suis un être radieux, empli de lumière et d'amour. Je suis parfait tel que je suis.
Je suis en harmonie avec moi-même et avec l'univers. J'ai confiance en ma guidance intérieure. Et on termine. Je m'affirme, je m'approuve, je m'estime, je m'aime. Je suis magnifique. Quel beau message. Voilà. Un peu ému de ce message qui est très fort et des phrases très fortes et qui doivent nous faire réfléchir pour celles et ceux qui ont ce manque de confiance en eux. Voilà, on arrive au cheminement de l'âme. Alors, je vais mettre mes petites étoiles, hein, pour soutenir les cartes. Alors, voici la carte numéro 1, la carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Voilà, vous choisissez entre la 1, la 2 et la 3. Alors, la carte numéro 1, la solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Cette carte est venue à vous pour vous rappeler qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. La solitude dérive d'une incapacité à apprécier la compagnie de la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Si la solitude vous accable, vous devez vous efforcer de créer une relation saine avec vous-même. Ce n'est qu'alors que vous attirerez d'autres personnes qui nourriront votre âme. Si vous ne commencez pas par établir un rapport positif à vous-même, vous n'attirerez que des personnes négatives. Pour créer cette relation saine avec vous-même, vous devez commencer par vous sentir digne d'être aimé et digne d'aimer. Le pessimisme ambiant dans nos sociétés peut avoir un impact sur votre estime de vous-même si vous n'avez pas la conviction forte que vous êtes quelqu'un de précieux et d'important. N'assimilez pas la solitude à une faiblesse. C'est simplement votre âme qui vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur et de rédiger vos pas pour que vous puissiez devenir radieux. Dans le silence de votre âme, vous prendrez conscience que vos enseignants, vos guides et votre famille spirituelle sont à vos côtés. Vous n'êtes jamais seul. C'est aussi un très très beau message pour celles et ceux qui croient qu'ils sont seuls. Et je trouve que le mantra est très joli. On voit toutes des personnes, je ne sais pas si vous voyez bien, l'élévation. Voilà. Alors pour
ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, la mort, ou n'ayez pas peur, surtout pas, parce que la mort, j'apprends que tout, c'est une fin, mais pour un commencement. Alors, j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. La mort est une illusion, ainsi est faite la vie. Un jour, le corps humain dont nous nous servons pour vivre sur Terre devra cesser de fonctionner. Il n'est pas destiné à l'immortalité. L'énergie, la conscience qui vivait dans ce corps est alors libre et elle retourne dans sa demeure naturelle sans jamais nous abandonner. Apprenez à percevoir la mort comme un simple changement. Et tout doit changer, car la stagnation met fin au progrès. Il en va de même sur le plan relationnel ou professionnel. L'âme a probablement appris sa leçon. Et il est temps d'élargir ses connaissances et de s'ouvrir à de nouveaux horizons en matière d'apprentissage et d'évolution. Une occasion merveilleuse vous est donnée. Vous pouvez remercier les autres âmes qui ont cheminé à vos côtés et vous ont tant appris. Alors, cela veut dire que vous êtes à un moment de votre vie où vous stagnez et qu'il faut prendre la faux et raser. Il faut mourir ou faire mourir cet état pour redonner vie à quelque chose de nouveau. Vous avez certainement des choses en tête, des projets. Eh bien, il est temps de redémarrer et de mettre en pratique vos projets et de laisser partir, c'est ça la mort, laisser partir les anciens projets qui n'ont plus d'intérêt et que vous vous agrippez encore peut-être à eux et qui ne servent à rien. Vous vous accrochez, laissez partir, laissez mourir ça pour renaître. Et nous terminons avec la carte numéro 3, le lâcher-prise. Ça, c'est pas facile, hein. Je renonce au besoin de contrôler les choses. C'est pour tout le monde. Vous savez, le lâcher-prise est très, très, très difficile à faire, mais lorsque on y arrive, on voit les choses différemment. Et on se sent mieux parce qu'on fait ce lâcher-prise. On est plus serein à l'intérieur de soi. Vous devez comprendre la distinction entre pouvoir et contrôler. Vous avez le pouvoir d'exercer un contrôle interne sur vous-même. Mais vous avez très peu de contrôle externe sur les gens ou les situations. L'essentiel de ce contrôle externe est lié à votre influence. Vous pouvez montrer l'exemple. Chaque âme a un chemin qui lui est unique. Et il ne vous appartient nullement de le lui dicter. Il vaut mieux donner des conseils ou une direction à prendre d'une manière compatissante. Quand on parle de la compassion, ça veut dire que on prend du recul par rapport à la situation et on n'essaye plus
de la contrôler. Votre âme a, elle aussi, un chemin à suivre et vous avez le pouvoir de contrôler votre avancée. Par contre, vous devez cesser de vous imaginer que vous pouvez contrôler autrui. Ce n'est pas possible de contrôler. Quand on est dans le contrôle, plus rien est naturel. Et on se sent mal quand on n'a plus le contrôle. Alors c'est vraiment un travail sur soi qu'il faut faire. Souvenez-vous que la vie est un processus de temps à autre. Votre ego viendra sur le devant et exigera que les choses soient telles qu'elles ou devraient être. Visualisez une montgolfière chargée de toutes les choses que vous pensez devoir contrôler et laissez-la s'envoler loin de vous. Vous serez surpris de constater que quand vous évacuez l'énergie du contrôle et que vous acceptez l'énergie du lâcher prise, des horizons insoupçonnés s'ouvrent à vous, car vous avez donné à l'univers un espace dans lequel matérialiser ce qui est nécessaire à l'évolution supérieure de votre âme. Voilà, mes amis, c'est pas facile, hein, se lâcher prise, et pourtant, bon, voilà, c'est nécessaire pour continuer votre cheminement sur votre chemin de vie. Mettre l'ego de côté derrière soi, il faut savoir s'asseoir sur son ego. Quand notre ego contrôle notre vie, eh bien, c'est une catastrophe. Donc, s'asseoir sur son ego, le lâcher prise, prenez du recul par rapport à telle ou telle thématique. Côté émotionnel, eh bien, prenez du recul, parce qu'alors vous êtes, si vous avez fait ce travail dans l'émotivité, eh bien, on prend les choses autrement et on les prend en compatissant. On a toujours des sentiments, on a toujours un cœur, on a toujours des émotions, mais les émotions sont contrôlées, donc on sait mieux les vivre et on n'est plus dans « oh, je suis triste, oh, j'ai pitié, oh, voilà ». On compatit. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube et je vous remercie pour tous les messages qui m'envoient vraiment à continuer avec un énorme plaisir et merci avec toute ma gratitude à tous mes abonnés. Je ne pensais pas avoir autant d'abonnés, donc je vous remercie du fond de mon cœur. Ça me donne vraiment beaucoup de joie. Vous me procurez beaucoup, beaucoup de joie. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, si vous visualisez ma petite vidéo, cliquez sur abonner, cliquez sur la petite clochette qui vous avertira des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une belle journée dans l'amour, la gratitude, la tolérance, le respect, la sagesse. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous
et de ceux que vous aimez.